Refaire un silence radio, est-ce une bonne idée dans sa reconquête amoureuse? Alors bien souvent, vous avez fait un silence radio et vous êtes revenu vers votre ex ou votre ex a brisé votre silence radio et vous vous apercevez que votre reconquête est bloquée et vous ne savez pas que faire. Donc vous vous posez la question de dois-je faire un deuxième silence radio dans ma reconquête amoureuse? On en parle après le générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James D, votre expert en reconquête amoureuse. Et dans cette vidéo, on va voir, faut-il refaire un deuxième silence radio dans sa reconquête amoureuse? Alors, je suis toujours gêné quant au silence radio dans la reconquête amoureuse, car bien souvent, vous faites un silence radio, soit en comptant les jours, soit en vous disant, je vais créer du manque. Ce qui compte dans la reconquête amoureuse, et notamment lors de votre silence radio, votre prise de distance, ce n'est pas le temps que vous allez mettre lors de cette coupure de contact, mais ce que vous allez faire durant ce silence radio. Honnêtement, si vous ne faites rien pendant 3 semaines, un mois et demi, 2 mois, il ne sert à rien votre silence radio. Vous pouvez rester 10 ans en silence radio, ça ne changera rien. C'est vraiment ce que vous allez faire pour vous lors de ce silence radio qui va compter et non pas le temps que vous allez faire durant le silence radio. Donc, si vous vous posez la question de savoir est-ce que je dois refaire un deuxième silence radio, cela veut dire que le premier n'a pas été assez efficace pour vous et non pas auprès de votre ex. Car peut-être que vous êtes revenu trop tôt, peut-être que vous êtes revenu toujours dans un état de demande. Peut-être que votre ex est encore bloqué par rapport à la séparation. Donc, dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez faire un deuxième silence radio. Mais là, vous devez mettre en place les bonnes actions. Car encore une fois, si c'est attendre pour attendre, ça ne sert à rien. Aller à la salle de sport, c'est bien, mais ça ne suffira pas. Faire 2 séances de yoga, 2 sorties avec des copains, encore une fois, ça ne sera pas suffisant. Vous devez vraiment incarner un changement par rapport à ce que vous reproche votre ex. Et bien souvent, c'est un panel de reproches dans la reconquête amoureuse. Il n'y a pas que j'ai pris 10 kilos. Non, ce n'est pas que ça. Il n'y a pas que je me suis laissé aller un peu trop physiquement. Il y a eu tout un tas de reproches. Vous avez perdu un tas de points dans votre relation amoureuse qui a amené votre ex à choisir la rupture amoureuse. Donc, vous allez devoir travailler sur tous les pans que vous reprochez votre ex et non pas aller 2 fois à la salle de sport et faire un petit relooking. Pour certains, et c'est rare, ça peut suffire, mais généralement, ce n'est pas que ça le problème de la rupture amoureuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre les causes de la séparation. Le silence radio, ce n'est qu'un moyen et ce n'est pas l'alpha et l'oméga de votre reconquête amoureuse. Si vous pensez cela, vous faites une grave erreur. Parfois, certains me contactent, ils me disent « James, ça fait 2 mois que je suis en silence radio » et je lui dis « c'est super, qu'est-ce que tu as fait pendant 2 mois ?» Ben, pas grand-chose quoi. Et donc, vous comprenez bien que si vous revenez vers votre ex et que votre ex s'aperçoit que rien n'a changé dans votre vie, que rien n'a changé dans vos comportements, pourquoi voulez-vous que votre ex revienne ? Votre ex vous a quitté parce qu'il ou elle n'était pas épanoui dans la relation. Et vous, en attendant pour attendre, vous lui proposez la même relation. En vous disant, tiens, par miracle, je vais créer un peu de manque et mon ex va revenir. La reconquête amoureuse, ce n'est pas une question de manque. Cela peut aider, mais ce n'est vraiment pas le point central de votre reconquête amoureuse. Ce qui va faire revenir votre ex, c'est lorsque vous redeviendrez la meilleure opportunité pour elle ou pour lui. Lorsque votre ex dira « Avec vous, je vais être super heureux. Avec vous, je suis vraiment complice. » C'est là que votre ex reviendra et pas parce que votre ex a un peu de manque parce que vous avez fait 1 mois de silence radio. C'est pas ça la reconquête amoureuse et c'est pas ça l'objectif du silence radio. L'objectif du silence radio, c'est vraiment reprendre votre vie en main, rehausser votre valeur et retrouver votre contrôle émotionnel et comprendre bien évidemment et surmonter la rupture amoureuse.
Tout le reste, c'est du détail ou du baratin. Vraiment, si vous misez votre reconquête amoureuse sur du manque, je peux vous dire que vous allez attendre bien longtemps. Donc, reprenez-moi votre vie en main, rehaussez votre valeur et lors de ce deuxième silence radio, vu que le premier, vous l'avez mal fait, je compte sur vous pour bouger et vous sortir. Et vous verrez que vous allez avoir un autre état d'esprit vis-à-vis de votre reconquête amoureuse. Tant que vous êtes en mode « je veux récupérer mon ex, je veux récupérer mon ex », vous n'y arriverez pas. C'est lorsque vous serez d'égal à égal. Et combien j'ai de coachés, si vous saviez, que j'accompagne qui souhaitent récupérer leur ex. On avance, on travaille pendant 3, 4, 6 mois parfois. Et ils m'envoient un message en me disant « James, j'ai récupéré mon ex, mais mon ex me plaît plus finalement. » Finalement, mon ex, c'est elle ou lui maintenant qui me court après, mais moi, j'en veux plus parce que j'ai beaucoup avancé. Donc vraiment, ce silence radio, il est pour vous recentrer sur vous. Que vous récupériez votre ex ou non, ce silence radio, il est pour vous. Parfois, je suis étonné, mais c'est... Vous avez une opportunité en or pour faire ce que vous avez envie de faire. Alors, pourquoi vous la saisissez pas ? Pourquoi vous voulez être l'esclave de quelqu'un ? En plus, je suis sûr que lorsque vous étiez en couple, vous vous disiez « purée, si je pouvais être célibataire de temps en temps, ça ne me ferait pas de mal. » Et là, vous l'êtes et vous pleurez un couple. Donc non, maintenant, reprenez votre vie en main. Vous n'avez que vous à gérer. Vos envies, vos objectifs, j'ai envie de vous dire, c'est limite le pied ou une opportunité en or. Alors, je caricature parce que je sais que vous êtes malheureux, mais vraiment, si vous faites un deuxième silence radio, reprenez votre vie en main, refixez-moi des objectifs sans votre ex. En vous disant, mon ex ne reviendra plus et maintenant, j'avance. Et c'est comme ça que votre silence radio sera efficace. Allez, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos et je vous dis à très bientôt avec James Dee.